Les dents du ramasseur sont beaucoup plus stables qu'auparavant. Et avec les quantités dont nous disposons actuellement, il faut manipuler un andin ou en marchant dessus, on se rend compte de la masse qu'il représente, il faut également les soulever. Et ensuite, il y a le reteneur de rouleau qui maintient le flux de matériaux vers le rotor en bas. Il doit rester en bas, c'est-à-dire tout juste rempli. Et ensuite, les dents doivent être stables afin qu'elles laissent passer quelque chose quand même. Il y a aussi des presses qui ont un dispositif de sécurité à l'intérieur, un boulon de cisaillement ou un limiteur de couple. Si elle est rentrée en permanence, il faut conduire doucement. Mais le reste de la presse peut faire plus. Nous atteignons les limites lorsque le rotor ne peut plus fonctionner quand il y a un point de dent ou une plus grande accumulation d'herbe. Elles y parviennent en fait dans 99% des cas.